dysfonctionnement. Y a des trucs qui veulent pas marcher, ou des idées qui paraissent bonnes, mais qui ont des conséquences à côté. Et tout ça pose des petits soucis qu'on aimerait bien pouvoir régler d'un petit coup de baguette magique, sans avoir à trop cogiter. Donc on tire au hasard, on distribue des millions à coup d'aide d'État et aussi de subventions, pour constater qu'on n'a pas touché les causes, mais qu'on s'est attaqué à toute autre chose. Et c'est les symptômes, 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 et pas les causes. Changer sans changer, on théorise de grands projets, mais qui ne marchent que sur le papier. Des petits gestes qui servent à peine, pendant que des jets volent dans le ciel. Des moteurs qui polluent moins, ha, mais si t'en vends plus, ça, bah, ça sert à rien. C'est plus simple de brasser du vent que de faire de grands changements, pour ne pas trop tout bousculer. Il y a une technique toute trouvée, et c'est de négliger les causes, pour traiter plutôt quoi, pour traiter plutôt les symptômes, 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 les symptômes et pas les causes. Si tu as un cancer généralisé, tu peux toujours t'amuser à traiter séparément tous les symptômes, et bah tu finiras quand même par mourir des causes. Et nos problèmes ont des causes, et ils dureront tant qu'on ne traitera que quoi. Les symptômes, 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 et pas les causes. Non, 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 les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes, oh, les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes, et pas les causes.